Et là les amis, on se retrouve de nouveau dans Street of Rage 4 pour continuer l'histoire avec Floyd. Donc Floyd c'est le gros bourrin. Niveau 9 c'est normal. Voilà, on est avec Floyd. Floyd Ryan. Donc dans la tour Y. Qu'est-ce que ça donne avec lui? Elle s'est déjà fait toucher. Ça va pas tarder. Hein. Ah, je crois que j'en ai pas besoin. Ah! Lui il est même pas encore habillé. Voilà, on balance contre le mur. Bon, pour l'instant ça va, hein. Ça sent pas trop mal parti. Ce niveau il est pas aussi facile, hein. Ah voilà, j'ai chopé un, c'est l'autre qui me chope. Ah mais il est déjà bon. Et il y en a beaucoup en plus à base dans ce niveau-là. Là il y a un blanc je crois, plus l'autre. Oh, je vais faire ta fête, toi. Voilà, tu vas blesser, hein, mais je fais ta fête. Toi. Je vais même attendre pour la pause. Beaucoup trop faible. Voilà, voilà. Ouais, oh là là, ça va être bourrin maintenant. Oh, le truc ici c'est toujours est-ce qu'on tombe ou est-ce qu'on tombe pas, quoi. Et on tombe. Hein.
parler avec leur coup. Voilà, c'est réglé les deux. Prends les ballons. Ah, lui, il déballe vachement bien dehors. Hein. Non! Oh purée! Enfoiré! Ah! Enfoiré! J'aurais pu avoir un score bien meilleur sans ça. Allez, Max contre Floyd. Match amusant. Ah, il a pas vachement blessé. Et là, même avec toi, j'arrive pas la limite tant que ça. Là, il m'a mis pour pas plus. C'est incroyable comme qu'est-ce qu'il m'a mis. T'es pas fort Floyd contre lui. Ah, ça paraît clair. Pourquoi j'ai fait ça moi? Pas besoin de le faire. Bon voilà, battu mais avec un score un peu minable. J'ai utilisé l'étoile. Pourquoi j'ai fait ça? Et malgré tout j'ai un A, c'est dingue. Et j'aurais pu avoir un S peut-être si j'avais pas. Si j'étais pas mort et que j'avais pas. Ah, par contre, on se dirige vers le million. Tiens, on dirait qu'il faut beaucoup de. Faut débloquer le Shiva. Hein. Max, tu vas bien? Je, cette musique, je ne pouvais plus me contrôler, je ne voulais aucun mal. Bande de sales. C'est qui celle-là? Ne me provoquez pas, je suis Madame Y. Fille du grand monsieur X, héritière de son empire, je suis votre reine, sale vermine. Mais bien sûr. Vous allez m'obéir. Active la machine, frérot. Ah ah. Quoi? Tu n'as pas le droit. La police est à mes ordres. Tu vas m'obéir. C'est fini, tout ça. J'ai vu ce dont vous êtes capable avec votre frère. Au nom de Woodhawk City, vous êtes en état d'arrestation. Serait, il est temps de partir. On a un concert. Peu importe, bientôt vous me mangerez dans les creux de la main. Mais oui, docteur Kawash. Son show va être rediffusé dans toute la ville et compte utiliser sa musique pour réduire. Vite, il faut les arrêter. Allez-y. Merci, officier. Appelez-moi Estelle. Au concert.
Normalement, les deux niveaux suivants, ça va. Il n'y a que le dernier qui est vraiment embêtant. Putain, il m'a trop balancé son truc. Ah, il le balance carrément le coup. Purée. Il balance le truc. En plus, il est toujours pas battu. Allez, viens, Vermine. On l'a dit, Vermine. Fini de me balancer les trucs, toi. Alors, pour beaucoup d'énergie. Ah, c'est elle qui m'a pris. Ah. Allô? Ouais, bah bien sûr, ils m'ont eu en même temps les deux. Enfoiré, on coupe plutôt mal là. Voilà! Nettoyage. Ça va être chaud quand même. Hein. Non, tu vas pas rigoler longtemps. Putain, mais j'ai oublié. Purée, cet enfoiré. Tu m'as bien eu.
Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh putain. Bah là j'ai tellement mal joué que... J'arrive même pas à passer ce niveau tellement j'ai mal joué. En plus il y a une voix comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal joué. Ça va être chaud. Oh, il est lent, il va pas aimer trop ce bonhomme comparé à Chéri où c'était plus facile. Ouais, mais avec lui ça va être... En plus il me vise hein. Ah mais c'est fait à part toi hein. Purée, ils m'ont empêché de prendre. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Malgré que j'ai très mal joué dans ce stage. Ah, carrément assez là. Et on est encore loin d'arriver au prochain bonhomme. Hein. Avion, avion. Stage 11, clair.
Oh, c'est lui qui m'a balancé. Non, oh, la catastrophe. Bah bien sûr, en plus. Merde, là, il manque encore. Putain, mais c'est quand même grave, quoi. Ça m'abîme tellement. Bon. Ouais, trop mal joué pour arriver à... Là, je joue mal. Oh là 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 là. Putain, mais... Ah dis donc, j'ai été sauvé de justesse, mais bon, ça reste mal parti quand même. Hein. Ça valait la peine que je balance le bonhomme si ça l'a pas balancé. Ah, c'est fichu bonhomme avec les couteaux. Hein. Toujours été niqué. Ça. Je peux pas utiliser aussi le taser. Ah ça. Oh,
arriver ou quoi? Ouais, c'est beaucoup, c'est vachement chaud hein, pour arriver à gagner. Parfois je me suis fait électrocuter. Ah, c'est pas. Ça c'est fou, elle a réussi à... Wouah! Je me suis fait tuer comme ça? Oh, quel idiot! Ok, ok, bah je suis mort bêtement, hein. Vas-y, pour gagner là, j'ai plus qu'une vie. Je vais pas rigoler longtemps, quoi. Ou peut-être que si, hein. Et je vais pas laisser faire. Ça fait deux fois en plus qu'il me tire dessus. Mais c'est dingue, hein, il arrive à tirer à chaque fois, quoi. Ici, il me vise, quoi. Thank you.
Ça va. Ah, je vais quand même pas y arriver malgré tous mes efforts. Si, j'ai quand même réussi. Alors, d'être justesse, hein, c'est très mal joué ce stage. Hein. Je suis surpris que j'ai fait le 9 tellement bien. Ouais, tu m'étonnes qu'il y a eu un dé. Ah, et j'ai toujours pas le nouveau personnage. Je crois que c'est Blaze. Vous ne savez pas quand abandonner, vous. C'est fini, gamin, rends-toi. Ah ouais? Je préfère vous retrouver en enfer plutôt que capituler. Il y. Allez, dernier stage de nouveau. Oh bah dis donc, waouh, ça commence bien. Super bien. C'est dangereux. Pas que les couteaux, c'est dangereux, lui. Ah, purée. Ouais, bravo. J'étais tellement proche de mon casse-croûte. Ouais, dommage que j'ai mal joué au départ. Voilà, je peux de nouveau pas retourner en arrière. Très...
Ah, c'est nouveau la même chose, hein. C'est... Est-ce que j'arrive à récupérer les... Au bon moment, est-ce que j'arrive à récupérer les poulets ou pas, quoi. Est-ce que je perds la vie, hein. Tout ça, ça dira si j'arrive à finir ou pas. Oh, j'ai réussi à avoir le poulet au bon moment. Enfoiré. Oh, mais merde! Pourquoi je peux pas atteindre le... Pourquoi je peux pas avancer? Ah, j'avais une pomme ici. Parce que... Ouais, laisse-moi encore où que soit. On peut pas... Quel dommage, j'avais pas... Je le même truc, hein. Toujours la même chose, hein. Ça ne joue pas à grand-chose, hein. Oh purée, les ninjas avec lui. Les deux premiers sont éliminés. Hop, hop, hop. Voilà. Quand même, mais c'est possible que j'arrive, hein. Ouais, attends, je prends tout, j'essaie d'avoir la vie le plus rapidement possible, mais bon, avec une vie j'ai plus de chances de réussir jusqu'au bout. On va bien toucher.
Allez, allez. Ok, finissons-en. Ça va être chaud, hein. J'avais du mal avant à le à l'avoir. Ah, ils m'ont vachement bien à lui en plus. Waouh! Mais qu'est-ce que je fous? J'ai pas encore apparu les... Ah, y a pas le robot. C'est qui va dans le robot, la fille? Le gars. Ah c'est le gars, tant mieux. Je préfère que c'est lui, c'est plus facile d'avoir de taper la fille. Avec Floyd, hein. Ça dépend des personnages de la situation. Quand même pas mal de chance que jusqu'à présent il était en train de les faire tranquille, et puis en bout de temps j'arrive pas à l'éviter sans même une opération. T'as du bon côté. J'avance, non c'est pas. Après la machine elle est de plus en plus simple à détruire dans un sens. Waouh, c'est... Et il tape à l'envers de nouveau. Ah, il commence à me... Routé, il tape à l'envers plusieurs fois. Ah, ça m'a touché. Voilà, j'ai pas ce que fit. Voilà. Détruit. Bon, ça devient plus, quand même plus facile. Et si par moment certaines parties je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, à un moment j'aimerais bien avoir des S. Hein. Plus on s'entraîne et plus ça vient. Donc voilà, c'est fini avec Floyd. Il est
restera encore à faire Adam pour finir les personnages du Street of Rage 4. Et après, on va voir pour faire un seul personnage des anciens, pas plusieurs, parce que normalement le score il se cumule pas. Si score se cumulait, ben, j'aurais fait les différents personnages à fur et à mesure, l'histoire de faire un autre, pas que vraiment qu'on en a besoin. Mais si j'ai bien compris, ni les trucs en ligne, ni les personnages secondaires, les scores sont pas pris en compte. Donc pour faire les 5 millions du trophée, je sais plus comment il s'appelle le trophée. Parce qu'on a plusieurs trophées à faire et il y en a un, il faut un score de 5 millions. C'est sûrement le trophée qui va mettre le plus de temps avec celui où il faut avoir tous les S et en plus en mode difficile et plus ou plus. Hein. Alors, comment il s'appelait ce truc? Points ensanglotés. Atteindre un score historique de 5000 points de... Ouais, 5000 points. Ce qui est dit, donc. Accro au défi, obtenir le rang S dans tous les niveaux en mode difficile ou plus. Hein. C'est pas dit qu'on doit jouer tout seul, mais il faut au moins le mode difficile. Et donc, sinon, voilà, il reste les missions accomplies, Street of Rage 1, 2, 3, ainsi que la mission accomplie d'Adam. Donc la prochaine phase, ce sera Adam qu'on fera. C'est-à-dire terminer le mode de l'histoire à un joueur avec Adam, avec Street of Rage 1, 2, 3. Hein. Il manque le combo phénoménal, donc ça c'est à la vitesse hein, de ne pas perdre la combo. Frapper un allié, c'est quand on joue en ligne, ça c'est facile. Que quelqu'un appelle la police, ça c'est facile. C'est qu'un personnage du Street of Rage 1, quand on appelle la police, hein, donc c'est très simple. Ça, on va le faire. Trop fastoche, terminer un niveau en difficulté mania. A voir si c'est vraiment si difficile que ça ou pas. Obtenir le rang S dans n'importe quel niveau. Ouais, à voir. Je suis assez surpris que les gens ils font plus facilement le rang S que terminer le jeu. C'est assez surprenant. Je parle même avec Axel ou Blaze. On voit que... Les gens, ils ont pas. Il n'y a pas 10% de gens qui l'ont fini le jeu. Voilà. Par contre, trop fastoche, terminé un niveau en difficulté mania. Il y a quand même 9,2%. C'est quand même beaucoup. Hein. Ça semble pas si difficile que ça en réalité. Par contre, parfait, terminer un niveau sans subir de dégâts. Ça, si on le fait tout seul, ça paraît compliqué. À plusieurs, oui, ce serait beaucoup plus facile parce qu'il suffit de laisser les autres taper sur les bonhommes et de rester éloigné, d'éviter. Et alors, on devrait y arriver. Terminer le mode arcade en mode difficile ou plus, ça devrait aussi se faire assez sans trop de difficultés si on le fait à plusieurs. Certains trucs, ils sont pas si difficiles que ça. Points ensanglantés, c'est pas dur en fait, les 5 millions de points. Par contre, c'est long à faire. Mais sinon, c'est pas quelque chose de compliqué. Et ce qui me semble le plus difficile, c'est quand même accro au défi de faire tous les S en mode difficile ou plus, même avec plusieurs, ça semble au premier abord le difficile, mais bon, après, c'est à voir, quoi. Ouais. On attend que ça... Ouais, moi j'aimerais bien faire ça, le Dr. Zan là, avec ouais, plus la mission accomplie du Street of Rage 3, mais vu que je ne l'ai pas débloqué et que je risque pas de le débloquer, je ne vais pas débloquer le second personnage et lui il est en quatrième. Donc au mieux des cas, je pense que j'ai débloqué deux personnages de plus avec Adam et donc c'est le docteur il sera pas encore débloqué. Ça c'est un peu dommage, donc faudra peut-être faire un autre choix ou alors à voir comment je fais parce que bon, j'aurais bien aimé le faire avec lui. Et ça se passe pas trop comme je veux, hein, vu qu'on a, on décide pas qui on débloque les personnages. Ça se débloque dans l'ordre de comment ils étaient placés à l'origine apparemment. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que c'est confirmé, hein, visiblement, il manque bien les deux personnages roux et H. Voilà, j'ai débloqué le trophée avec Floyd. Et j'ai une note de B. Ah ouais, B à la fin, carrément. Et j'ai débloqué un personnage quand même. Ouais, mais je pense pas que j'arrive à débloquer encore deux personnages, ça paraît limite. Waouh, je crois qu'il faut 1 million pour débloquer le troisième au moins.
Voilà, c'est Blaze. Hein. On sait que c'est Blaze qui allait se débloquer. Après, c'est Skate. Alors, ça commence à être marrant. Hein. Enfin, commence à être intéressant parce que j'ai plus en plus de billes. D'ailleurs, j'ai du A. Je ne me rappelle même pas que j'avais un A aussi ici. J'ai presque plus de C. Hein. Il ne me reste que 4 C. Hein. Ça commence à être de plus en plus joli, quoi. Mais bon, il faut des S. Et des S en difficile minimum. Hein. Voilà. Et il faut faire un mania, hein. Ça a été dit, bon. Ouais, des A, des B, des C, des B, des C, des B, B, A, C, C, B. Ok, j'ai eu un B quand même malgré tout. Pour l'instant, ça semble encore compliqué de faire le S, mais ça devrait venir. Hein. Voilà, ça commence d'être de mieux en mieux. Bah voilà, c'est fini. On reprendra la prochaine fois, donc dans l'histoire. Toujours, on fera une nouvelle partie, normal, et on fera Adam. Et donc Blaze est bien débloqué. Ah, quel dommage qu'ils ont supprimé deux personnages qui ont été zappés. Surtout que ça a intéressé beaucoup les gens, hein. Beaucoup de gens les voulaient, forcément. Hein. Moi, j'aurais bien aimé les deux personnages. Parce que bon, on sait jamais si à un moment j'ai envie de m'amuser à les faire. Ah, purée, comme c'est pixelisé. Hein. Quelque chose. Ah ouais. Alors là, ils ont aussi mis les couleurs originales, par contre, il me semble. Ils n'ont pas mis la Blaze en gris et lui en jaune. Axel n'est pas en jaune, ils ont laissé les couleurs, mais par contre il manque les deux personnages, c'est ça qui est dommage quoi. Et je doute qu'ils mettent un patch ou un DLC pour les ajouter. Et c'est vraiment dommage. Surtout ça aurait fait 7 de chaque côté quoi, ça aurait fait propre en plus. Hein. Alors il y a peut-être une histoire de droit ou quelque chose, que peut-être que Sega n'a pas accepté pour une raison ou pour une autre, ou une autre raison, on va aller savoir. Quoi, il manque les deux bonhommes, peut-être que c'est en rapport avec leurs coups spéciaux, hein. Surtout pour H, je sais pas ce qu'ils auraient mis pour comme coup spécial dessus, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça. On reprendra ce jeu là la prochaine fois avec Adam. Voilà, bye bye, les amis, à la prochaine.